Assalamu alaikum ya adi. Wa alaikum. Wa alaikum salam. Erna ena ranchouf e enta bi bitarmel. Bitarmel agat zouin jiddan maral touya. Naam. Basel touya. Le touya et le citron et le wel talat. Touya citronnier. Ouais. Citronnier la racine de touya. Tayeb. فين انت اشتري كوليدا في الصويره تنشري واحد الشيء هذا في الصويره في الصويره طيب في مكان ممكن بيشتري كوليدا وبارتين بتتعمل نعم وين انت بتتعمل بزاف اكزاكتومون باستا مش بتعمل ده لكن دي لكن مش دي في 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 حاجات تال تانية في حاجات في حاجات تانية ممكن هنشوف نعم je lui demandais où est-ce qu'il achète le bois donc il y a des endroits à Essaouira pour acheter le bois il travaille la racine de tuya il faut savoir que la racine de tuya c'est une particularité à Essaouira puisque Essaouira est la seule ville dans le monde où les racines de tuya ont cette taille il y a des tuyas partout dans le monde mais la racine de tuya elle n'existe dans cette taille-là qu'à Essaouira, c'est ce qui permet de faire des meubles et de faire des objets de cette taille. On ne sait pas pourquoi, c'est une particularité de la nature à Essaouira. Et il y a également un travail du bois de citronnier, qui est un bois très odorant, qui sent très bon. Et donc, ça c'est, Adil va nous montrer ce qu'il fait, des boîtes de travail. Ça c'est le bois de citronnier, qui sent très très bon et qui est un bois très très léger, contrairement au tuya. Qui est un bois très lourd. Ça, c'est la racine du tuya. C'est une boîte. C'est une boîte avec les charnières, le cadenas, tout ça. Il y a une boîte du tuya. Le tuya est le dessin de la nacre. Ça s'appelle la nacre, mais le noir. C'est du noyer. Du noyer, oui. Donc, c'est des incrustations de nacre. Sur le tuya, on fait des incrustations de nacre. Et de noyer. Il faut combien de temps de travail à dire pour faire une boîte de comme ça? Une boîte comme ça, c'est un jour. Un jour. Un jour comme ça. Et après, on voit dans les boutiques le bois tout brillant. Comment on fait? Oui, c'est le brillant, c'est le vernis. Le vernis avec le tampon. Comme ça, c'est ça le vernis. Mmh. C'est ça le vernis. C'est un vernis naturel ou chimique? Non, chimique. 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 C'est ça le beauté du vernis. D'accord. Avec un tampon. Tampon comme ça. Et on frotte oui. Pour oui. Rendre brillant. Donc c'est pas un vernis. Oui. Qui est sur le dessus, qui peut s'écailler. C'est un vernis qui rentre dans le bois, oui. À l'intérieur du bois. Oui.